Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous ai trouvé, mais alors un truc, mais de fou furieux vraiment pour le coup, c'est des bouteilles d'eau pliables. Alors oui, on va dire c'est pas extraordinaire, etc. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'utilité de ces bouteilles pliables, justement. Vous l'avez un petit peu compris dans le titre, c'est pliable, donc forcément, ça prend moins de place, etc. Il est là, ouais, en fait, le but, en fait, c'est très clairement trop bien d'avoir justement, quand vous partez pour faire du cyclisme, du camping, du voyage, etc., et bien c'est super facile à emprunter parce que ça ne prend très peu de place, mais ça peut s'agrandir aussi. Donc du coup, vous pouvez mettre un meilleur contenu et mettre plus d'eau forcément aussi dessus. Et d'avoir cette bouteille qui se plie, c'est parfait parce que ça va prendre moins de place dans votre sac, etc. Quand la bouteille est finie, hein, quand vous avez fini de boire de l'eau, etc. Et c'est ça en fait que je voulais commencer par cette vidéo-là. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne. Je vais te présenter trois produits du plus gros prix et plus petit prix comme je fais habituellement. Trois marques différentes aussi par la suite. Et donc pour le premier produit, c'est quoi? C'est Idaway. Idaway, c'est une bouteille d'eau pliable. Alors c'est actuellement la plus chère comme vous pouvez voir, mais avec une très bonne qualité, silicone aussi, donc forcément qui va durer aussi dans le temps. Sans BPA, ne vous inquiétez pas aussi. Passe au lave-vaisselle sans souci, avec une ouverture large pour le lavage à la main, etc. C'est possible aussi. S'adapte à la plupart des porte-gobelets de voitures. Lorsqu'on est en élargie, se range facilement aussi lorsqu'elle est pliée. Mais c'est extraordinaire, elle est pliée en direct, mais on dirait un disque, mais un peu plus gros, un peu plus gros. Mais vraiment, quand elle est pliée, ne prend vraiment très très peu de place. C'est celle qui prendra quasiment le moins de place sur celle que je vais toutes vous présenter aujourd'hui. Hein. Très clairement confondue. Hein. Elle est extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment, elle fait que 500 ml, donc c'est sûr, c'est pas énorme en termes de contenance. Ce qui est déjà pas mal, ça fait un demi-litre. Hein. Mais ça reste vraiment correct. Donc en vrai, vous êtes tranquille pour du long terme aussi là-dessus. Et au moins vous pouvez boire tranquille votre eau. Et peu importe, vous pouvez mettre de l'eau, des boissons énergisantes, ce que vous voulez dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, pour votre sport, etc. C'est super bien parce que d'un côté ça vous permet d'avoir quelque chose d'ultra léger. La contenance et le poids, 156 grammes, hein. Voilà, justement là dessus Voilà, ça c'est à vous de voir par la suite. Pour le deuxième produit, pareil, il est pliable aussi. Mais cette gourde là est pas non plus la plus petite, mais elle reste quand même très petite aussi. Donc en gros, qu'est-ce qui se plie? C'est surtout, ça sera pas le tube que vous buvez là-dessus, c'est Kemier qui fait ça. 750 ml aussi, c'est justement le côté voilà, pliable et étanche, bien sûr, et à l'épreuve des fuites, etc. C'est de l'enrouler en fait, pouvant s'enrouler directement. Et hop, vous n'avez plus de... Et en plus de ça, elle est isotherme aussi. Donc elle va tenir une température de 100 degrés pour les boissons chaudes et moins 40 pour les boissons froides. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre du chaud comme du froid. Sans souci, ça va quand même contenir entre guillemets une large gamme de température à ce niveau-là. C'est ça qui est vraiment un sacré plus sur celle-ci. 63 mm, pareil, c'est pas extrêmement. Voilà, un embout de 63 mm au niveau de l'épaisseur pour éviter, voilà, casse-casse, etc. Pareil, elle, en vrai, quand elle est enlevée, elle fait 25 cm de haut. Voilà. Et quand elle est pliée, elle ne fait que 11 cm. Donc en vrai, on a quand même divisé par 2. Même un petit peu plus au niveau de la taille, c'est ça qui est vraiment un plus. Et pareil, elle est extrêmement légère, 155 grammes pour 750 ml. Enfin, tout dépend si vous remplissez, si vous la remplissez ou pas. Forcément, elle va être un peu plus lourde, mais voilà. Et par contre, ça se boit assez facilement au niveau, voilà, vous avez juste, il y a de l'air à tirer et hop, c'est directement vous buvez. Voilà, c'est un classique, c'est comme une gourde classique après celle-ci. Et vous pouvez l'utiliser pour du la randonnée, ce que vous voulez là-dessus. Pour le deuxième produit, c'est enfin le dernier, c'est le troisième. Bouteille, une bouteille d'eau pliable. Pareil, alors celle-ci ressemble un petit peu à un accordéon. C'est un peu, oui, voilà, c'est pas la meilleure comparaison. En silicone aussi, là-dessus, sans BPA, 100% aussi. Par contre, au niveau de la contenance de celle-ci, c'est 600 ml. Mais elle reste quand même très très plate aussi, moins plate que la première. Il faut le dire, la première est vraiment la meilleure, mais forcément aussi c'est la plus chère. Mais pareil, celle-ci peut se plier vraiment quand même par deux. Vous divisez par deux la taille. Hein, quand elle est dépliée, elle est pliée. Pareil aussi, 135 grammes sans eau. Et après, forcément, quand elle est avec l'eau, ben, forcément, elle va peser un petit peu plus. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Juste que celles-ci sont entièrement pliables. Voilà, ça, c'est vraiment un plus là-dessus. Et puis bon, après, c'est facile à boire. Ça, vous avez juste à déplier. Hop, comme une petite poupette. Et voilà, vous avez juste à boire et nickel. Et c'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos au quotidien tous les jours, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur la chaîne ce que vous pouvez retrouver. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres aventures. Allez, à la prochaine, ciao ciao.